une joke. C'est une joke, hein? Non, 20 minutes? OK, non, 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 écoute-moi, espèce de cocombe. Non, non, c'est toi qui vas attendre. Non, le temps d'attendre pour me parler et pour tes joies! C'est pas une bonne journée, pas une bonne semaine et même pas une bonne année. C'est comme toute ma vie est un gros désastre. Merci de ne pas l'avoir demandé. Aujourd'hui, ben, j'ai manqué mon lit de bus ce matin et t'as vu ça avec le téléphone. Et c'est tout, pour l'instant. Hier était encore plus pire. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Et sais-tu comment c'est difficile de passer une journée sans téléphone? Ah. Oh. Ouais. Tu vois, pas une bonne journée. Oh, faut que j'aille. OK. So, peut-être j'exagère un peu. C'est quoi 20 minutes? Vraiment. C'est tant que ça prend mon père pour me dire que je ne l'écoute pas. Six tunes. 20 minutes. Ouais. C'est pas mal juste. Mon père. Si tu penses que je suis stressée, je pensais que c'était à cause de son travail, mais à ce temps qu'il ne travaille pas, c'est encore plus pire. Je l'ai jamais vu aussi stressé. Maintenant, il se met à chialer contre tout le monde et ne se gêne pas pour le faire. C'est surtout maman qui se fait engueuler. Ça fait juste une autre chose à s'inquiéter. Pas moyen de revenir à la maison sans se faire crier après. Alors de plus en plus, j'essaie de rester loin. Je travaille quelques heures de surplus à ma job. Se tremper les mains dans l'eau de vaisselle, ça, c'est relaxant. J'ai besoin d'un break. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Oh, je suppose que maintenant, j'ai vraiment besoin de ces heures de surplus. Quand je reviens à la maison, assez tard, déjà fatiguée, mon père a pu relaxer pendant quelques heures. On est prêt à s'engueuler, donc on le fait. Je sais. Pas quelqu'un d'égoïste, puis je pense pas toujours à moi-même. Je suppose qu'il est correct, je l'aime bien gros, mais il y a des problèmes ce temps ici. Ma mère dit que ma chambre montre ce qui se passe dans ma tête. Je pense qu'elle veut que je la nettoie ou quelque chose. Mais elle a raison, à l'intérieur, je me sens toute mêlée des fois. Chez nous, c'est comme si t'es pris dans le trafic. Puis tu bouges pas, puis personne bouge, t'es juste... t'es pris. Tout le monde se tape sur les nerfs. On allume deux TVs, trois stéréos en même temps. Maman, elle, est rendue au max. Elle a des grandes responsabilités au travail que je veux même pas deviner. Elle est toujours en train de faire le taxi. Ma soeur meurt en folle et j'ai toujours besoin de m'occuper d'elle. Mon père, lui, il est pris dans sa brume de frustration. Le travail suce, l'école est folle, mes profs sont brutales, mes amis sont inutiles. Toujours prêt à apprendre, mais jamais à donner. Et bon, je pourrais être un peu plus facile à vivre avec. Je pense que ça vous donne l'idée. Je me sens toute pognée à l'intérieur, puis il n'y a rien qui sort. Alors tout, même si c'est juste des petites choses, c'est trop. C'est juste, c'est rendu trop. Ouais, ouais, je sais, tout le monde a du stress, puis c'est ça la vie, hein? Sauf de plus en plus, je pense, c'est ça le point. C'est pas juste moi et ma famille, c'est à l'école, les gens sur l'autobus, les politiques, l'environnement, c'est partout. C'est comme... il y a une loi universelle du stress ou quelque chose. D'une seconde à l'autre, la terre va juste s'étirer au max, puis elle va juste se déchirer! Détente. Oh, je m'excuse. Ça a probablement l'air un peu bizarre. C'est cette chose que ma tante a fait chaque fois que je m'énerve. Elle dit détente. Elle n'arrête pas tant que je lui dise relax. Détente. OK, so je vous l'ai dit, c'était plate, mais je ris quand même à chaque fois. Dites-le pas à personne, mais jamais un peu ça. Détente. Avant, je pensais ma tante était un peu bizarre, mais maintenant, je suis pas trop certaine. Où j'étais rendue? Au moins, ma théorie sur le stress universel. Chez nous, c'est fou, mais c'est rien comparé à la grosse boule de poils de 40 livres de tension qui me pousse, qui me tire et qui me tourne dans le ventre. C'est comme être pris dans le trafic. J'ai-tu déjà dit ça? Je pense que oui.
Ça t'arrive-tu des fois que t'es tellement stressé, que tu perds le contrôle, que tu sais pas si tu vas ou tu viens d'un moment à l'autre? J'imagine c'est comme jongler, si j'étais capable. Mais je suis pas capable. Ta pelle t'a commencé à jongler une balle quand l'autre va te compliquer la vie, ou au moins t'inquiéter. Ce qui me stresse encore plus jusqu'à ce que des petites choses, comme les compagnies de téléphone cellulaire, me font péter une corde au cerveau. Bien sûr, il n'y a pas juste des petites choses. Il y a des vraies affaires dans la vie qui nous stressent. Comme, par exemple, mon chum vient juste de casser avec moi. Merci bien, ça c'est beau. Mais je pense honnêtement que c'est arrivé parce que j'étais plus fun et j'étais trop stressée. C'est ça le point! OK, so, je sais que j'ai dit avant que le point était que tout le monde a du stress. Et c'est la réalité. Tout le monde est pris dans le stress tout le temps. OK, so, je sais que le stress n'est pas toujours mauvais, mais il y a toujours du stress. C'est comme tomber en amour pour la première fois, ou aller sur la scène, ou présenter quelque chose devant la classe, ou un match important. Quand c'est du bon stress, ça te donne le goût de faire quelque chose. Ton corps bat vite, ta peau rougit et t'as des papillons dans le ventre. Mais c'est bon, parce que ça te donne de l'énergie et la concentration que t'as besoin pour ce moment critique. En ce moment, c'est un bon exemple. OK, excitez-vous pas trop là, mais parler devant vous est un bon stress pour moi. Ça, où ça fait tellement longtemps que je suis coincée à l'intérieur puis je peux pas m'en sortir. Un pied sur le gaz, l'autre sur les freins. J'ai déjà dit ça? Je pense que oui. Ma tante dit que nous sommes programmés pour ça. Elle dit que ça vient du temps des cavernes. Les choses changent tout le temps et bien trop vite des fois. Mais il y a d'autres choses qui prennent une éternité pour changer, comme notre instinct de survie. Imaginons qu'on relaxe sur le bord d'un feu de camp. On est en train de dévorer une teste de brontosaure. Quand tout à coup, tu te retrouves au bas de la chaîne alimentaire et le tigre se lèche les babines, à moins que tu te débattes ou que tu te sauves. Ton corps bat vite pour envoyer de l'oxygène et de l'adrénaline aux muscles. Ce qui craint ta température te fait transpirer et rougir. Ton corps se prépare pour la bataille et arrête tous les autres systèmes. Ta digestion s'arrête, ta bouche devient sèche et ton ventre tourne. Et maintenant, t'es prêt à battre les tigres. Si votre vie est comme un voyage de camping bien mollo avec des tigres qui vous attaquent de temps en temps, c'est le genre de choses que t'as besoin. Mais ma vie n'est pas comme ça. Et mon corps pense que n'importe quoi est un tigre. Alors, se préparer pour la bataille, c'est la norme pour moi. Et être stressé, c'est juste, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais quand quelqu'un encore plus stressé que moi me met en attente, tout à coup, c'est moi qui deviens le tigre. Et je prends mes frustrations sur un pauvre petit morceau de technologie sans défense, ou un ami, ou ma petite sœur. Ma petite sœur, quelle heure est-il? Oh non, t'es pas freaking sérieux, je suis supposée l'apporter chez le dentiste. Oh non, ok, vous ne comprenez vraiment pas, je vais me faire tuer. Avant, j'exagérais vraiment, mais là, oh, ok, ok. So, par ce temps-ci, l'école a dû réaliser que personne n'allait la chercher. Alors, ils vont essayer de m'appeler, mais ils peuvent pas. Alors, ils vont appeler à la maison, mais mon père, il est parti essayer de trouver une job. Alors, ils vont appeler ma mère, qui est au travail. Oh, puis elle a une réunion tellement importante aujourd'hui. Oh, elle va essayer de traverser la ville. Elle va être en retard. Puis, ma petite soeur va avoir peur. Maman, elle va s'inquiéter puis être frustrée. Et mon père, oh, tu veux pas savoir. Oh, je peux pas retourner à la maison. OK, j'aimerais aller chez ma meilleure amie, mais, oh, hey, il est en train de freaker au sujet de je sais pas quoi dans son propre petit monde. Maman et mon père vont s'engueuler. Ma petite soeur, elle va se blâmer. C'est comme l'ultime tempête, pis c'est tout de ma faute. Oh, je suis assez stupide. Je. Quoi? Je suis trop stressée. Penses-tu? J'ai fait une grosse gaffe, pis maintenant je t'emmerde jusqu'au cou. Oh, amenez les tigres. Il y a un problème et je dois m'en occuper. Mais pas de cette façon. Qu'est-ce que je fais? Je freak et je fiche en même temps. J'en peux plus. Je veux pas vivre comme ça. C'est trop pis. C'est juste, ça marche pas. Oh, si seulement je pouvais juste m'arrêter pendant une seconde. Cool.
Et c'est là que ma tante me dirait « Inspire, expire. » Mais ça me fait respirer. Et quand je pense à respirer, je ralentis et je respire plus profondément. Et je réalise qu'avant, je ne respirais pas vraiment. L'air, ça coûte rien. C'est ça qu'elle me dirait. OK, ça va mieux. Je sais que respirer, ça va pas arrêter une guerre, ni résoudre mon problème de géométrie. Mais ça me donne la chance à voir ce qui se passe en moi. OK. Oxygène égale cerveau content. Je comprends. Une chose à la fois. Je me concentre sur les choses que je peux contrôler. C'est bon. OK. Qu'est-ce que je fais en premier? J'ai oublié le rendez-vous et ça a ruiné la journée à tout le monde. Et j'ai brisé mon téléphone. Mais, tu sais, je peux accepter ça. Pas tout en même temps et pas tout de suite. Mais bientôt. Je dois retourner à la maison et faire face à la situation. Mais je pense que je vais laisser faire l'autobus. Maman est sûrement allée chercher ma petite sœur maintenant. Ça presse pas. J'ai besoin de prendre une marche pour réfléchir un peu. Je pense qu'il y a un téléphone payant au coin de la rue. Ça serait une bonne idée d'appeler. Mais je devrais penser à ce que je vais dire en premier. OK. Quoi à cette heure? Est-ce que je suis vraiment stupide parce que j'ai fait une erreur? Non. OK, so, je suis pas Einstein, mais j'ai freaké à cause de toutes les petites choses stupides et j'ai stressé à cause que j'étais pas prête à réagir comme il faut. Garde, je tremble encore. No duh. Y'a même pas de signe. Écoute, c'est vrai. La vie, c'est pas toujours facile et des fois, c'est juste. C'est trop pour moi. Pas surprenant la façon que je jette mon corps. C'est un miracle que je puisse encore attacher mes souliers. Mais si quelques respirations font tellement une grande différence, imagine qu'est-ce qui arriverait si je jettais mon corps pas comme une machine. Je jette une machine mieux que je jette mon corps. Qu'est-ce que je fais? Genre environ 10 heures par semaine. Pas vraiment 10 heures. C'est tant que je reste étendu aux yeux ouverts. Mais dormir, rêver, tout ça, ouais, je pense pas. Quoi d'autre? Je vis sur les 4 groupes alimentaires. Le sucre, la caféine, des pâtes et du gras. Je travaille à temps partiel et je vais à l'école à temps plein. Puis le reste du temps, je m'achète des choses pour avoir le style de vie bien branché comme tout le monde. Oh ouais, je suis bien branché. Tellement branché que je m'en fâche d'un fil. Ça me donne pas beaucoup de liberté. Et le coût? Figure pour toi-même le prix d'un nouveau téléphone cellulaire sur mon salaire minimum. Je vais pas être capable de dormir ce soir et y penser. Mais quoi si je laisse faire le téléphone? Pas de cellulaire. Pas de nouvelles technologies pour un bout de temps. Moi, débranché. Laisse faire le style de vie. Je vais l'appeler plan de vie. J'aurai le droit d'auteur. Plan de vie. Je peux choisir ou même créer la façon que je veux vivre ma vie. Qu'en pensez-vous? On va l'essayer. On va rêver. Je me réveille le matin parce que j'ai eu assez de sommeil. Je m'assis pour manger un vrai repas. Je marche à l'école en respirant ou même en pensant à, je sais pas, du stuff ou même à rien. C'est à moi de choisir. Ouais, j'aime ça. Mais attends, ça marche pas. Tout le monde que je vis avec est au moins aussi stressé que moi. Tu te souviens au sujet de ma théorie sur le stress universel? Ben, je peux pas sauver l'univers. Mais je peux parler à ma famille. Nous avons un problème et nous avons besoin de le régler. Peut-être qu'on peut parler de notre stress ou quelque chose. OK, je sais que j'ai fait une grosse gaffe aujourd'hui, mais je suis prête à prendre les conséquences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses. Je peux au moins essayer. De toute façon, je ne vais pas rien faire pour un bout de temps. Oh, man, je vais être punie pendant des semaines. Qui veut dire que je ne vais plus être capable de travailler des heures tard. Qui veut dire... Quoi?
que je vais être capable de passer plus de temps avec mes amis, que je peux aller prendre une marche, que je peux passer plus de temps avec ma petite sœur pour pas qu'elle devienne comme moi. Ouais, ça serait probablement une bonne idée. Et j'ai une autre idée géniale. Je pourrais actuellement, maintenant, avoir le temps pour faire mes devoirs. Mais, si j'ai des meilleures notes, ça va calmer mes parents, qui va diminuer mon... Ah! Tu l'as! Mon stress! Et finalement, quand je sors de la prison, je pense que je vais juste laisser faire les heures de surplus au travail. Et avec un peu plus de temps, peut-être je vais être capable de trouver un chum. Kikiu! Ouais, ça me semble un bon plan. Il va toujours avoir des petites choses, mais par ce temps-ci, je vais être capable de les contrôler sans perdre mon cool. Je suis toujours capable de demander de l'aide et je suis sûre qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour réduire mon stress. Je peux même parler à ma tante, elle est tellement mollo celle-là. Elle me fait rire tout le temps. Puis ça, c'est une bonne chose. Je sais pas comment je vais faire face à toutes ces choses, mais c'est correct. Une chose à la fois. Je peux continuer à faire ce que je fais maintenant jusqu'à temps que je me plie en pretzel et que je craque. Ou je peux choisir d'y faire face aujourd'hui. Je pense que c'est ça le point. J'ai un choix et je choisis de ne pas être un pretzel ou une boule de poils. J'aime même pas les pretzels. Ben, ça c'est mon histoire. J'ai un appel à faire. Bye! Pum, 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 pum